Non, mais parce que là, j'avais juste appuyé par rapport au baptême, ce qu'elle a dit. Voilà. Alors, pour finir, ma question, c'était par rapport au baptême, parce que la sœur avait parlé du baptême. Jean-Baptiste va dire Matthieu chapitre 3, au verset 11, d'accord, s'il vous plaît. Alors, je vais lire la parole de Dieu. Pour moi, je vous baptise d'eau en signe de repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Celui-là vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Jean-Baptiste est mort, il est parti. Donc, le baptême de l'eau, on arrête parce que Jésus est venu. Il faut attendre de Jésus le baptême du feu et du Saint-Esprit. Il y a des gens qui enseignent que le baptême d'eau n'est plus indispensable, tout ça. Et il faut simplement recevoir le baptême de l'Esprit. Il y a ces personnes-là, malheureusement. Elles sont soit dans l'ignorance, donc on va prier pour elles, et que le Seigneur les éclaire, soit elles sont complètement envoyées par l'ennemi pour combattre la saine doctrine. Le baptême d'eau est biblique. Biblique. Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas, baptisez-les. Et or, le baptême de l'Esprit, dont il est question ici, est administré par le Seigneur Jésus-Christ seul. Donc, seul Jésus-Christ baptise dans le Saint-Esprit. Le baptême d'eau, c'est pour nous. Voilà. Donc, c'est pour cela que Jésus-Christ a dit, baptisez-les. Donc, c'est un ordre qu'il a donné. Et c'est pour cela que quand on regarde les Écritures, ils ont baptisé les gens. C'est vrai que Paul, dans 1 Corinthiens 1, il dit que ce n'est pas pour baptiser que Christ l'avait envoyé. Parce que la charge qu'il avait, Paul, et parce qu'il voyageait énormément, il enseignait beaucoup, ben, c'était les disciples qui baptisaient. Quand on voit dans Jean 4, c'était les disciples du Seigneur Jésus-Christ qui baptisaient. Donc, tu as des personnes qui vont avoir plus la charge d'enseigner et d'autres plus la charge comment dire, d'évangéliser ici et là. Donc, et Paul était chargé d'enseigner les frères et sœurs, et c'est pour cela qu'il disait qu'il avait baptisé seulement quelques personnes. Mais le baptême d'eau est biblique. Pierre a baptisé Corneille, et l'eunuque éthiopien a été baptisé par Philippe. Et là, nous sommes à l'époque, et comment dire, en fait, nous sommes déjà sous la grâce. Hein, et c'est pas avant la grâce, nous sommes sous la grâce déjà. Donc l'Esprit était déjà répandu sur les frères et sœurs. Dans Acte 2, Philippe baptise les gens. Et Pierre et Jean arrivent à, comment dire, Philippe a baptisé également les personnes de la Samarie, n'est-ce pas? Il a baptisé l'eunuque éthiopien. Et Pierre, chez Corneille, a prodigué ce baptême. Hein, il a dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu aussi bien qu'à nous, aussi bien que nous? Donc, il a baptisé Corneille ainsi que sa famille. Et dans Actes chapitre 16, Paul et Silas ont baptisé le geôlier ainsi que sa famille. Donc, on voit quand même que les apôtres ont pratiqué, ont administré ce baptême. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui se convertit aujourd'hui et qui n'a pas eu le temps de se faire baptiser et qui meurt, ben, si la personne était véritablement convertie, elle est sauvée. Comme le malfaiteur à la croix à qui le Seigneur a dit « Tu seras avec moi aujourd'hui au paradis ». Cette personne, cet homme n'était pas baptisé d'eau. Mais celui qui refuse le baptême d'eau tout en prétextant être chrétien, ça y a un problème parce que c'est un ordre qu'il faut respecter. Voilà. Voilà. Que Dieu soit béni.